Fellow Rotarians, from both 70-20 and 70-30, because my review of the participants tells me that we have as many Rotarians and Rotaractors from 70-20 as we have from 70-30, which is a huge delight for me. So past district governors, if there are any on, I can't see you. Our RMO, Audley, I saw you there. Ryan Hulshaw, who is one of our speakers today, but he is Rotary Foundation officer responsible for us in our zone. And just checking to see if I've missed anybody else, but it's a great pleasure to welcome all of you to this 12th session that we are having. And today we are dealing with the Rotary Foundation. The Rotary Foundation is the heart. La Fondation Rotary est une part du Rotary International. Who happened to be in Guadeloupe last year had the pleasure of listening to Rotary International Director. Et ceux d'entre vous qui étaient en Guadeloupe ont eu le plaisir de connaître Mr. Babola, qui est le président de la Fondation. Et dans nos deux districts, du 70-30 et du 70-20, nous avons vu à plusieurs occasions que les millions de dollars qui ont permis de financer des actions sur nos territoires. Donc, c'est la preuve du meilleur investissement que nous pouvons faire en finançant la Fondation Rotary. Et nous présentons nos condoléances à district gouverneur nominé Sonia qui a perdu sa belle-mère. Et au nom du district, je me suis permis de vous joindre à moi. Je vous demande maintenant d'être très attentif aux interventions qui vont être faites aujourd'hui, qui devraient améliorer votre connaissance de la Fondation. Thank you very much, District Governor-elect Lyle. I would now like to invite. Je vais maintenant inviter Lara pour pouvoir introduire nos présentateurs d'aujourd'hui. Chers gouverneurs, Rotariens, Rotaractiens du district 70-20 et du district 70-30, nous allons aujourd'hui parler de la Fondation Rotary. Je vais vous présenter nos deux présentateurs. Je vais partager mon écran. Au niveau des questions, si vous avez des questions, merci de les mettre dans le chat et à la fin des présentations, elles seront adressées au présentateur. Donc cet après-midi avec nous, après l'introduction, nous aurons un regard sur la Fondation Rotary dans notre district et par extension la Caraïbe. Et ensuite, nous aurons une vision mondiale de la Fondation Rotary et ensuite des questions et réponses. Donc, nous aurons 45 minutes de présentation et 15 minutes pour les questions. Donc, je vais vous présenter maintenant nos deux intervenants. Le premier est le passé gouverneur Milton Innis, qui est rotarien depuis une trentaine d'années, membre du Rotary Club de Barbade-Ouest, qui a servi dans tous les domaines d'action. Il était gouverneur en 2015-2016.
et il a été responsable de la sous-commission fondation subvention Rotary les trois dernières années et est maintenant membre de la commission fondation. Après des études universitaires, il a été directeur d'une structure architecturale et il est depuis maintenant un an et demi le haut commissaire de Barbade à Londres. Le suivant sera Brian Hushler, qui est responsable des subventions à la Fondation Rotary. Il a eu cette responsabilité dans 31 districts où il accompagne les gouverneurs afin d'augmenter les contributions à la Fondation Rotary. Donc, il a 15 ans d'expérience dans la collecte de fonds, dans la gestion de fonds, dans les plans stratégiques, ainsi que dans les campagnes de collecte de fonds. Avant de rejoindre la Fondation Rotary, il a été responsable d'une fondation privée. Il a suivi des cours à l'Université de Chicago sur la collecte de fonds et il a, à Indiana, poursuivi. Et je vous invite donc à accueillir notre premier intervenant, le passe-gouverneur Milton Innis. Merci. Bonsoir, bon après-midi à tous. Bienvenue à cette session sur la Fondation Rotary. La Fondation Rotary a pour objectif de transformer vos dons en actions pour changer le monde. Dans les 100 dernières années, la Fondation a dépensé 3 milliards de dollars dans des actions durables. Nous allons maintenant explorer comment cette contribution est utilisée. La plus fameuse est NPolioNow, le programme NPolioNow. Donc 99% des cas de polio ont été réduits et il y a que deux pays qui aujourd'hui continuent à où la polio est présente, donc l'Afghanistan et le Pakistan. Le Nigeria depuis maintenant 2016 n'a fait aucune report de cas et nous avons fait de réels progrès avec une éradication sur le type 2 en 2015 et 2003 en 2009. Et même si la polio continue à circuler en Afghanistan et le Pakistan, nous avons 4 des 6 régions mondiales de santé qui sont certifiées sans polio. Donc, la vaccination dans le monde reste l'axe majeur de la Fondation, puisque c'est une de nos priorités.
Et d'autant plus que les vaccinations est importante, surtout sur les territoires où la présence du Rotary n'est pas effective. Maintaining political and financial commitment of donor affected and high risk. Donc, l'engagement des pays, aussi bien à l'échelon politique qu'à l'échelon financier, est aujourd'hui important et permet au Rotary de s'impliquer de façon aussi active dans les campagnes de Pologne. Vous pouvez voir au 5 mai l'évolution de l'action sur la polio. Donc, vous voyez, il y a 11 en Afghanistan et 43 au Pakistan. So we enter 2020 knowing that we have challenges to address and overcome to stop transmission of polio in these endemic countries and sustain and build on the progress in other areas. Of course, donc, the COVID-19 pandemic has been à cause du COVID, not, du COVID-19. And COVID-19, like polio, has impacted life throughout the world. And also like polio, was not well understood. Initially, there's lack of a vaccine or an effective cure. Donc, initialement, nous avions beaucoup de cas sur la vaccination. Mais ceci a été perturbé du fait de l'arrivée du COVID-19. Les campagnes de vaccination sont vraiment l'axe majeur d'action et c'est sur ça que vous voyez aujourd'hui le plus de résultats. Will also divert already limited and finite human and financial resources. L'impact du coronavirus a tout. However, alors, malgré tout, excusez-moi, je retrouve mes mains. Eradication activities to the extent possible, particularly the surveillance to detect suspected cases of polio and monitor transmission, and routine immunization. Which can be carried out on a more direct and limited basis. However, frontline health workers for global polio eradication are supporting the COVID-19 pandemic response while also working. Donc, pour pouvoir suivre l'épidémie du COVID-19, nous avons continué un certain nombre d'activités, même si les campagnes de vaccination se sont arrêtées. Donc, les activités de surveillance. Les vaccinations de routine, l'approvisionnement en vaccins, un certain nombre de services complémentaires, mais également mis en place des plans de vaccination de rattrapage. Donc, si nous voulons aujourd'hui atteindre les objectifs que s'est fixé le Rotary International, la Fondation Rotary, l'objectif est d'obtenir 5 millions de dollars par an sur les 10 ans, ce qui fait 50 millions de dollars pour 2020. En déclinant cet objectif sur les 34 000 clubs à l'échelle mondiale, ça représente une contribution de 1 500 $ par club. Et les districts sont aussi invités à donner 20% de leur fonds spécifique de district pour égaler le fonds mondial. Et donc, le district gouverneur élect Lyle et moi-même, nous avons accepté d'engager notre district dans cet objectif. Et donc, nous pensons que les clubs vont nous permettre d'atteindre cet objectif de 1 500 $ par club et de 20%. Le deuxième programme, c'est les bourses du Rotary pour la paix. Vous avez vu une vidéo sur ce sujet. Donc, le programme des centres de la paix du Rotary a une vision du paix durable
pour permettre la prévention et la résolution de conflits dans le monde. Il y a donc 8 universités de renom qui permettent d'accueillir les centres de Rotary de la paix, qui permettent le renforcement de l'autonomie, de l'éducation et, la capacité des ambassadeurs de la paix. Nous avons aujourd'hui 1500 anciens du programme qui représentent 115 pays. Vous voyez sur cette carte la localisation des 8 centres. Vous voyez sur les 8 universités. Donc, 5 des universités permettent d'avoir un master et les autres permettent les certificats professionnels. Donc, vous voyez en jaune les territoires où se pose qui proposent le master. Donc, Japon, Bradford, l'Université de Princeton en Australie et Uppsala Université en Suède. Et donc, l'équipe de l'Université de Thaïlande et de l'Ouganda propose les certificats professionnels. Les programmes se font aussi bien en face-à-face qu'en e-learning. C'est un Rotary Club qui sponsorise les candidats. Et le candidat doit être approuvé par le district. Et donc, à ce moment, la demande est transmise au Rotary International, à la Fondation Rotary. Et une fois que le candidat a été diplômé, il doit garder une connexion avec le Rotary en rendant visite aussi bien au club Rotary dans la zone où il est affecté que le club Rotary qui l'a sponsorisé. Il y a 2 ans, nous avons eu un candidat de la Guyane française. Plus de 130 boursiers Rotary sont sélectionnés chaque année. Donc, les deux programmes ont pour objectif de renforcer la carrière des candidats, aussi bien en début de carrière pour le master's, que pour le renforcement de compétences pour le programme de certificat. Donc, vous avez 50 candidats par an pour le master's et 80 pour le certificat. Alors, l'enseignement dans le programme de master s'organise autour de plusieurs choses. Donc, vous avez des étudiants de plusieurs types d'expériences. Donc, lorsqu'ils sont sélectionnés, ils suivent une formation universitaire pour pouvoir apprendre les théories et l'approche. Ensuite, sur les campus, ils permettent d'avoir un renforcement de l'expérience de terrain par des stages. Il y a du travail en atelier et bien sûr, ils ont un séminaire de fin d'études, ce qui leur permet ensuite d'être en réseau. Donc, tout le séminaire de 2 à 3 mois est une opportunité pour eux, soit d'étudier un domaine particulier lorsqu'il s'agit de professionnels, ou soit de pouvoir prospecter pour une carrière dans l'entreprise qui les accueille pour ce séminaire de fin d'études. Et donc, cette présentation du travail final se fait à l'occasion d'un séminaire annuel qui réunit un certain nombre de décideurs d'organisations non gouvernementales, mais également d'établissements de renom tels que l'ONU. Les candidats, pour pouvoir être diplômés, doivent montrer cet engagement qu'ils ont pour la paix, aussi bien dans les travaux qu'ils présentent, et donc dans la compréhension qu'ils ont eue des différents cours qu'ils ont suivis. Le programme de certificat est organisé sur 12 mois.
Donc, sur ces 12 mois, vous avez un mélange entre l'acquisition de compétences pour pouvoir promouvoir la paix et l'inclusion sur des faits réels pour pouvoir participer à un certain nombre de projets de réforme sociale. La sélection se fait 2 fois par an. Et donc, il y a une connexion entre les deux promotions pendant l'année pour pouvoir faciliter la mise en réseau. Le programme donc permet d'avoir des cours sur place avec des connaissances de base sur la paix. Et il travaille ensuite pendant 9 mois sur des initiatives de changement dans la société basée sur la paix, aussi bien au travers de sessions interactives en ligne et donc le programme se termine sur un séminaire avec la promo montante en chevauchement leur permettant de pouvoir participer à une transmission de savoir avec l'équipe entrante. Et donc, ce partage d'expérience permet de créer un véritable réseau entre les différents participants du programme et en même temps de faire un partage d'expérience entre les différents participants, créer un véritable réseau. Le programme suivant, le troisième programme dont on parle, dont bien sûr beaucoup d'entre vous doivent connaître, ce sont les subventions. Nous avons eu une session précédemment sur les grants, mais je vais faire une petite récapitulatif. Donc, la subvention de district, c'est pour des projets de petite envergure avec un impact à court terme, pour répondre aux besoins de la communauté et aligner sur les 6 axes stratégiques. Donc, les clubs doivent soumettre leur demande sur le formulaire du district et le transmettre aux responsables fondations. Après examen, lorsque la demande est retenue, les clubs sont informés de la décision. Donc, une fois que l'argent a été réparti, les clubs qui font un rapport sur l'utilisation reçoivent leur subvention en une fois du district. Donc, cet argent n'est versé que lorsque l'ensemble des demandes ont été effectuées, puisque le district ne reçoit cet argent de la Fondation Rotary qu'en une seule fois. Les subventions mondiales sont pour des projets de plus grande importance, généralement à partir de 30 000 $ sur le montant global du projet. Donc, il permet d'avoir des... Bien sûr, il doit être aligné sur les 6 axes stratégiques du district. Il s'inscrit pour des actions à long terme. Ces fonds sont gérés par la Fondation. Ils doivent être flexibles, pas forcément avec des résultats économiques attendus, mais par contre, des résultats durables sur la communauté qui est assistée. Donc, l'UNESCO donne aussi des bourses, qui est maintenant une subvention mondiale, des bourses d'études qui sont distribuées par la Fondation. Et chaque année, c'est 60 bourses qui sont attribuées dans le cadre des bourses d'études de l'UNESCO. Ce sont les clubs Rotary locaux avec les écoles qui doivent anticiper les besoins pour pouvoir faire les demandes en amont, puisque les demandes doivent être présentées avant le début des années universitaires ou scolaires.
Alors, les autres types de subventions, qui sont les scale grants, donc sont pour des actions qui bénéficient un grand nombre de personnes dans une zone géographique importante. Généralement, le Rotary s'associe avec des organisations expérimentées. Alors, ça peut être le club ou le district. Le leadership du projet doit être obligatoirement fait par un club Rotary ou par le district. Et le Fonds mondial donne 2 millions de dollars sur les actions approuvées. Les conditions de soumission sont exactement les mêmes que pour les subventions mondiales. Et l'action doit au moins s'inscrire sur 3 à 5 ans et bien sûr être alignée sur les 6 axes stratégiques du Rotary international. Donc, le projet doit inclure des activités qui ont un véritable impact et qui justifient d'une grande efficacité en matière auprès des communautés assistées. Et le formulaire est soumis aussi bien par le Rotary Club que par le district. Vous voyez donc maintenant le cycle de vie d'une subvention Rotary. Donc, il s'agit surtout d'une subvention mondiale. Donc, pendant la première phase, la phase projet, donc il y a une demande en ligne et faite par les membres du club. Au niveau de l'autorisation, donc il y a un examen de la demande par les responsables du district et les dirigeants du club pour autoriser le financement, qui est ensuite déposé, soumis à l'examen de la Fondation Rotary. Une fois que la subvention est approuvée, la Fondation met à disposition le fonds et le projet peut commencer. Lorsque le projet dure plus d'un an, il faut un rapport annuel du projet. Sinon, pour des projets d'une durée inférieure à un an, il faut un rapport final. Je vais vous montrer slide la valeur des différentes subventions mondiales qui ont été approuvées depuis 2013 jusqu'à 2019. Et vous voyez que le total est au-dessus de 2 millions de dollars. Et vous pouvez voir également comment progressivement la Fondation investit dans des subventions mondiales au sein de notre district. Les clubs doivent être aujourd'hui confiants sur l'engagement de la Fondation Rotary auprès de notre district. Vous voyez quelques exemples de projets d'action ayant bénéficié d'une subvention mondiale. Donc, vous voyez l'intitulé de l'action, le partenaire principal, le montant de l'action et l'axe stratégique concerné. Et donc, un des majeurs, c'est l'acquisition de matériel de mammographie pour la prévention du cancer du sein ou la détection précoce. Vous avez l'éducation et la formation en TIG, avec notamment l'acquisition d'ordinateurs pour des écoles, ainsi que la formation des enseignants pour pouvoir développer plus d'outils avec avec cela. Alors, le réseau néonatal de la Caraïbe orientale, donc c'est pour pouvoir faire un partage d'expérience et des programmes de formation pour permettre un meilleur accompagnement des mamans et des enfants lors de la naissance. Alors, soutenir des vies pour pouvoir permettre une meilleure existence, c'est vraiment apporter une assistance au quotidien à des familles, leur permettant
de sortir de la pauvreté. Et enfin, le projet d'eau à Old England. Et donc, c'était pour mettre en place et construire un système de distribution en eau avec des pompes insubmersibles dans le territoire de Old England, donc c'est Guyana. Et ont été inclus dans ce projet un système d'alimentation indépendant. Donc vous avez une idée ainsi des différents types de projets qui sont aidés. Alors, nous avons parlé des programmes, nous allons parler maintenant des dons, puisque tous ces projets ne sont possibles que si les Rotariens soutiennent leur fondation par des dons. Donc, tout le monde doit se rappeler du programme Un don chaque année, qui a été lancé il y a 7 ans de cela. Et les clubs ont été invités à soutenir le fonds annuel. Et les donateurs qui font entre 100 et 249 dollars ont versé plus de 25 millions de dollars l'année dernière à la fondation. Donc, l'année dernière, il y a eu plus de 126 millions versés par les Rotariens au fonds annuel, ce qui a permis de financer 1403 subventions mondiales. Et il n'y a aujourd'hui, malheureusement, que 31% des Rotariens qui ont contribué à la fondation. Mais essayez d'imaginer si plus de 31%, ne serait-ce que 50%, ce qu'aurait été le pouvoir du Rotary. Bien sûr, pour encourager les donations, il y a un certain nombre de récompenses pour reconnaître votre engagement. Donc, bien sûr, Sustaining Member, c'est pour ceux qui donnent un minimum de 100 dollars par an au Fonds mondial. Le Polaris Fellow, c'est pour tout chacun qui donne 1000 dollars à la Fondation. Et donc, ceux qui sont au SEC Polaris, c'est ceux qui donnent 1000 dollars à la Fondation minimum chaque année. Chaque année. Les majeurs donneurs sont ceux qui ont donné au total plus de 10 000 dollars à la Fondation. Bien sûr, ce sont des points par des versements personnels. Le cercle Arch Club, c'est ceux qui donnent au moins 250 000 dollars à la fondation. Les bienfaiteurs sont ceux qui informent le Rotary qu'ils ont fait une donation à la fondation. Et la société des testateurs, c'est pour ceux qui vont donner un bien à la fondation dans leur testament. Et je vais vous donner enfin une brève vue sur ce que nous avons fait au niveau du district. Ça a été fait il y a une semaine. Nous sommes vraiment loin de notre objectif, vous pouvez voir, puisque nous sommes à 61,5%. Et vous voyez que notre objectif est vraiment bas. Donc, je vous invite à donner. Au niveau de la polio plus, nous sommes à 73%. Et bien sûr, les objectifs qui sont marqués ne sont pas fixés par le gouverneur, mais c'est la compilation des objectifs que les clubs sont mis en début d'année dans Rotary Club Central.
Au total, nous sommes à 130 et quelques mille dollars pour cette année. Et comme vous voyez, c'est très, très bas, aussi bien par rapport à l'année dernière que par rapport aux objectifs. Donc, chers amis rotariens, au regard de tout ce que nous avez dit sur les programmes, au regard des subventions, il nous faut, dans le futur, avec le COVID-19, que nous contribuions au maximum à la Fondation, notamment ceux qui n'ont pas encore donné, mais ceux qui ont déjà donné qui peuvent aussi trouver un peu plus, parce que tout ce que nous donnons au fonds annuel revient en pour moitié au district dans 3 ans. Donc, le plus vous mettez, plus nous aurons d'argent en retour pour soutenir notre district. Alors, vous pouvez avoir les contacts pour l'année prochaine. Ce sera BDG Lara qui sera responsable subvention. Moi, en tant que responsable fondation et le futur gouverneur, Lyle Chase. Merci beaucoup, cher ami rotarien, pour avoir écouté cette présentation. Et je vais maintenant passer la parole à Brian Hushler de la Fondation Rotary de Vincent, Illinois. Brian devait participer à notre conférence à Saint Kitts et Nevis, mais il a malheureusement, à cause du COVID, pas pu connaître la qualité de notre accueil et de notre hospitalité. Mais je suis sûr que l'année prochaine à Sainte-Lucie, il va connaître l'amitié du district 70-30. Merci. Merci, Milton, Lara. Bon après-midi à chacun. C'est vraiment un plaisir d'être ici. Comme Milton l'a dit, j'aurais vraiment apprécié d'être avec vous à Saint-Kitts, mais bon, le COVID a changé mes plans. Avant de commencer, je veux remercier Milton pour la qualité de la présentation qui était faite. Donc, je vais, moi, peut-être vous mettre l'accent sur des points plutôt à l'échelle mondiale. Alors, referred to as TRF, is the charitable arm of Rotary International. It is supported solely by voluntary contributions. Donc, la mission de la Fondation Rotary est de permettre aux Rotariens de faire progresser l'entente mondiale, la bonne volonté, la santé par l'amélioration de la paix par l'amélioration de la santé, le soutien à l'éducation et la réduction de la pauvreté. C'est vraiment la mission de la Fondation Rotary. Et c'est vraiment de permettre aux Rotariens. Donc, comme vous le comprenez, si les Rotariens sont présents auprès des communautés dans le monde, c'est le rôle de la Fondation est de les accompagner et de le permettre de réussir. Et... Non, before, non. OK. Et donc, comme vous pouvez le constater, la Fondation peut avoir la confiance des Rotariens et de ses administrateurs, puisque vous voyez que 90% de nos dépenses vont directement dans nos programmes. Et ce travail de qualité a été reconnu par Charity Navigators, qui
nous a classé parmi la première dans les 10 meilleures organisations caritatives à l'échelle mondiale. Ceci est la deuxième année consécutive que nous avons obtenu ce classement. En complément de ça, il est important de souligner que la Fondation a fêté ses 100 ans il y a 2 ans. Voici les 3 fonds de la Fondation Rotary qui permettent d'accompagner et de soutenir l'action des Rotariens. Le fonds annuel, c'est celui qui permet de supporter les projets au quotidien. Le fonds de dotation, c'est pour être sûr que nous pourrons supporter les besoins de demain. Et bien sûr, le fonds Polio Plus, c'est pour supporter l'action pour la polio. Donc, et on peut dire que le fonds annuel, c'est les dépenses immédiates. Le fonds permanent, c'est pour les placements. Et enfin, la polio plus, c'est pour l'urgence. Vous voyez les 6 axes stratégiques qui nous permet de soutenir tous ceux qui interviennent au travers de nos donateurs dans ces 6 axes et nous permettre d'être présents auprès de toutes les communautés. Regardons la magie du Rotary au travers du fonds annuel. Donc le fonds annuel est notre principale source de financement des programmes à l'échelle locale, mais aussi internationaux. Quand je demande aux Rotariens pourquoi ils supportent le fonds annuel, parce qu'ils disent que parce qu'avec la Fondation Rotary, nous avons un retour sur investissement au travers du modèle share, avec le modèle donc de partage, qui vous permet de collecter mondialement et de partager localement. Vous pouvez voir sur le schéma sur la gauche de l'écran comment cela fonctionne. Donc, si vous donnez par exemple 1 000 $ au fonds annuel, donc il est investi pendant 3 ans. Et donc, les intérêts permettent de financer le fonctionnement de la fondation. Une fois qu'après 3 ans, au bout de 3 ans, donc une partie de ces fonds vont au Fonds mondial et l'autre partie vont au Fonds spécifique de district qui décide, et c'est le district qui décide comment il dépense cet argent entre les subventions de district et les subventions mondiales. Toutefois, le Fonds mondial permet également au conseil d'administration de la Fondation de décider comment il finance les subventions mondiales et les programmes. Donc, les fonds auxquels nous avons accès cette année, ce qui représente les contributions d'il y a 3 ans. Donc, c'est pour ça qu'il faut sensibiliser vos membres à la nécessité de soutenir la Fondation Rotary. Alors, il y a plusieurs façons de donner votre contribution à la Fondation. Par exemple,
Vous pouvez donner directement en automatisant vos dons par le biais de Rotary Direct. Vous pouvez donner. Alors, Rotary Direct, c'est pas compliqué. Hein, vous rentrez votre carte bleue et vous donnez le montant que vous voulez avec le rythme que vous voulez. Vous pouvez donner en ligne, ce qui va directement sur votre compte et aussi sur le et qui apporte des points à votre club. Vous pouvez envoyer un chèque au responsable fondation de votre club ou d'envoyer directement par courrier à la fondation. Donc, au travers d'un formulaire que vous pouvez télécharger sur MyRotary. Sinon, vous pouvez également augmenter votre impact grâce à un don de votre entreprise. Et donc, vous pouvez télécharger le formulaire également sur MyRotary qui permet aux entreprises d'accompagner la donation. Comment je voudrais donner à chacun d'entre vous 4 clés pour avoir une contribution avec succès de la Fondation. La première clé, c'est construire votre équipe Fondation. C'est important de choisir votre responsable Fondation dans le club parce que c'est lui qui va diriger votre équipe qui aura la responsabilité de mener des actions fondation d'impact, aussi bien dans la collecte que dans les demandes de subventions. La deuxième chose, la deuxième étape, c'est de vous fixer des objectifs qui soient raisonnables, qui soient partagés par l'ensemble des membres de votre club et qui puissent être compris de tous. Donc, je vous invite à regarder en ligne les exemples que vous pouvez trouver. La troisième étape, c'est il faut que vous soyez des leaders inspirants. Il faut vraiment que vous soyez des moteurs, de vrais leaders, pour que l'ensemble des membres de votre club puissent croire en vous, puissent suivre vos inputs et que votre contribution, la condition de votre club et de vos membres soit importante. Et bien entendu, cela vous permettra de monter aussi des projets d'envergure. Enfin, quatrième étape, assigner des tâches à vos membres en vous simplifiant la vie. Donc, comme je vous l'ai dit dans un slide précédent. Quand vous avez un membre qui est responsable de la fondation, il n'est pas seul. Il bénéficie d'une équipe support au sein du Rotary International. Donc, vous pouvez d'abord bénéficier sur Rotary Support Center un certain nombre d'informations sur des questions générales sur la Fondation Rotary, les transferts de points, les rapports, etc. Donc, c'est Rotary Support Center at Rotary.org. Ensuite, vous avez un certain nombre d'experts pour vous assister, vos responsables locaux. Vous pouvez regarder. Et je voudrais vraiment remercier chacun d'entre vous pour ce webinaire, pour m'avoir permis d'être dans la Caraïbe tout en étant à Chicago. Merci beaucoup et donc j'attends vos questions. Merci beaucoup pour ces présentations d'exception. Il y a un certain nombre de questions. Donc, je voudrais deux choses. Support at Rotary International
if we don't have time to answer your questions. Okay. Et j'invite tous les Rotariens qui sont ici, si on n'a pas le temps de répondre à vos questions, de vous reporter, de vous adresser, pardon, aux responsables du district ou aux personnes dont vous avez le contact. Il y a un certain nombre de dirigeants qui ont de l'expérience qui peuvent répondre à vos questions sur les subventions mondiales. N'hésitez pas. Et je voudrais, le deuxième point, je voudrais vous inviter à contribuer à la Fondation et de ne pas attendre le 30 juin pour le faire. Because we can get the money back in grants for our district. So, give now and ask questions if you have them and we don't get to them today. Right. Okay, so Milton, question. Bon, première question, Milton. Deux questions sur la bourse scolaire, la bourse d'études. And two, did Peace Fellow from French Guiana become a Rotarian? Donc, comment demande à la Fondation, est-ce que la responsable fondation. Est-ce que la personne qui a participé de Guyane française est rotarienne? Alors, première chose, il ne semblerait pas qu'un âge limite pour bénéficier des bourses de la fondation. Yes. Has become a Rotarian. I don't know if there's anyone from French Guiana that may be able, or our PDG Hervé, if he was here, because he and I served on that committee. Yes, she's a member. Hervé says she's a member of our CPA. Yes. So yes. There we are. And she is also now a member of our peace committee. Okay. Excellent. For 2020-2021. Okay. Okay. Perfect. So the next question comes from Aruba, and perhaps Brian, you can answer this. Can you start a project in advance, or do you have to wait for the approval for a Rotary grant? L'autre question, c'est est-ce qu'on doit commencer un projet en avance ou doit-on attendre l'accord de la Fondation Rotary pour commencer? Okay. Well, for global grant, certainly you have process. For global right. grant, certainly you have to wait for approval. Pour la subvention mondiale, oui, il faut attendre l'accord avant de commencer. Mais pour la fondation de district, on suggère, mais bon, quelquefois on a versé, même si l'action avait déjà été commencée avant l'accord, puisque comme on verse la subvention en une seule fois. Donc, à certains moments, il y a des clubs qui ont déjà réussi, commencé par leur action et avant que l'on donne la réponse. Donc, pour la subvention mondiale, il faut retenir que ne pas commencer l'action tant qu'on n'a pas la réponse. Pour la subvention district, là, c'est une appréciation locale. Généralement, on accepte si l'action est a du succès. Alistair has asked what would prevent a club from being eligible to apply for district or global grants. Do you want to take those alors, two? La question c'est est-ce qu'il y a une date limite pour les subventions mondiales? Il n'y a pas de date limite pour la subvention de district. La date limite. Donc, la date limite qui permet l'envoi de la demande de subvention. What would prevent a club from being eligible? Right. Part again within that protocol. La date limite pour le. La date limite pour la subvention district, excusez-moi, c'est le 30 septembre. Would expect that you would have chosen a Rotary foundation chair
Donc, nous pensons que la subvention sera votée, que le responsable fondation sera affecté par votre club avant le 30 juin. In the post-COVID era, where would this fit the criteria in terms of the six areas of focus? Alors oui, notre club a un projet avec les sans-abri, et dans les six axes stratégiques, quel est l'axe? Ok. La réponse est tout va dépendre de sur quoi l'action porte. Ce n'est pas la situation des sans-abri qui intéresse, c'est le contenu de l'action, c'est pas le fait que ce soit des sans-abri. Si par exemple il s'agit de femmes sans-abri, ça peut être santé de mère sans-abri, ça peut être santé de la mère et de l'enfant. Donc tout va dépendre du contenu. Ce n'est pas lié au fait que ce soit des sans-abri. Yeah, and I think it's important, as I said at the beginning, you know, a lot of the projects that we think about have been done either by other clubs in our district or around the world, so we don't have to reinvent the wheel. Et oui. Look, for example, et donc, beaucoup de questions que nous nous posons, il faut peut-être aller sur Rotary Showcase, parce que nous n'avons pas réinventé la roue, comme on dit. Il y a peut-être des projets qui sont déjà menés dans le monde, similaires à nos projets. Et donc, sur Rotary Showcase, on peut se renseigner sur ce qui existe. Et un des grands problèmes que nous aurons sera à la relance du secteur touristique dans le secteur. Ah oui, comment contourner le fait que pour les bourses, les Rotariens ne peuvent pas être éligibles? I'm not aware that they can. I don't think that they can. No, it's anybody within the Rotary family. I see David. They know. Yeah, so once you're a member of the Rotary family, Rotaract, Interact, Rotarian, you're not eligible for the Peace Scholar. No. Right? The Rotary, the whole idea is, yes, to support peace and conflict resolution. Donc, un membre de sa famille ne peut pas soumettre une demande pour une bourse de Centre Rotary pour la paix. The grant projects, are they just for the Rotary parent clubs? I don't actually understand the question. That was from Kerri-Anne Jackson. Kerri-Anne, are you still with us? Lara, if I may, I think that was if a Rotaract club can apply for the grants. So the parent. La question c'est est-ce qu'un club Rotaract peut répondre pour un grant, pour une subvention? Alors la réponse est non. Ils ne peuvent pas demander. Ils peuvent faire partie d'une action, mais ils ne peuvent pas demander une subvention mondiale. Peace Scholarship Chair, and we can share her email address with you. She has a lot of information if you want more on the Peace Scholarships. And of course, I will be incoming Grants Chair for our district. Donc, Lara sera responsable subvention à partir du 1er juillet. Donc, ne pas hésiter à s'adresser à elle pour toutes les questions que vous pourriez avoir. So that we can learn from each other. And our final thought before I hand you back to Nigel and Lyle is to please remember to give. Yes. Et bien sûr, elle rappelle à tout un chacun que sans don, sans contribution, on n'aura pas d'argent pour soutenir les différentes actions. Donc, n'oubliez pas, c'est la contribution de chacun qui donne la force à la subvention, à la fondation. Pardon.
Thank you all for joining us this afternoon. Donc, merci à tant que vous d'être, d'avoir assisté cet après-midi. Thank you. Thank you very much, PDG Lara, PDG Milton. And merci beaucoup, PDG Lara. Merci, PDG Milton. Give the vote of thanks. I would just like to invite DGE Lyle to just say a few words. Et avant de conclure, je vais donner à DG Lyle la parole pour dire quelques mots. Our vision is the vision of Rotary International. Notre vision, c'est celle du Rotary International. Ensemble, nous avons, nous voyons un monde où tout le, nous sommes tous ensemble pour agir pour notre communauté. Vision, we do have a number of district objectives that we want to. Et en ayant cette vision, nous avons un certain nombre d'objectifs pour le district. Et nos objectifs, c'est d'augmenter notre impact par des projets d'envergure pour éradiquer la polio. Et la paix. Et la paix, c'est un grand axe pour l'année prochaine. Et il va soutenir beaucoup d'actions sur la paix. Et donc, en augmentant notre impact, la communauté verra ce que nous faisons et voudront faire partie du Rotary. Et donc, le 4 juillet, nous aurons une session avec le président du Rotary International pour pouvoir pousser notre année. Et donc, je remercie chacun d'entre vous pour votre engagement. Et quand nous faisons de grands projets, les Rotariens sont heureux. Nos projets, c'est en vendant des pins, des insignes, pardon, pour du district pour l'année prochaine. Chaque insigne vendu va venir financer notre projet. So we will be looking at the COVID relief projects as well. And brand, if you listen to Carla Stubbs the other night, remember the brand. Brand Rotary, everything you do in this year. Dans tout ce que vous allez faire cette année, mettez en avant la marque Rotary, l'image Rotary. Faites la promotion du Rotary. Dès qu'on pose une question, la réponse est le Rotary. Pour montrer que le Rotary ouvre des opportunités. Et je suis certain que de nombreuses opportunités vont apparaître et que vos projets seront merveilleux et que vous vous prendrez du plaisir à les faire. Merci beaucoup. Merci beaucoup, DG Eli. Please give special thanks to Natalie for her superb translations. Alors, nous voulons donner un très grand bravo à Nathalie pour ses traductions pendant les présentations. Je vais remercier officiellement les présentateurs, PDG Milton, Brian et PDG Lara, pour avoir assuré la modération pendant cette présentation. Special thanks to the people who work in the background as well. PDG Hervé did the French. Merci à tous ceux qui ont travaillé dans l'ombre. Thank you, PDG Hervé. Merci à moi-même.
Sean Paddy, qui s'occupe de la plateforme Zoom, Liz Cox et Abraham Daniel, Nathalie et Vicky pour tout ce qu'ils font dans l'ombre. All 170 people who participated, please give a warm thank you to our presenters. Et donc, je demande à tous les participants de donner un vrai, un accueil chaleureux et de bons encouragements à tous les présentants, présentateurs. Thank you very much. Merci beaucoup et on se voit la semaine prochaine.